Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 10 août, il est 9h, j'ai eu un super orage cette nuit, ça rafraîchit l'air et j'ai super bien dormi. Moi qui voulais partir de bonne heure vers 7h, bah c'est loupé. Bon bah il va falloir que je me bouge, hein. Alors voyons. Le plus pénible, ça va être de plier la tente mouillée. Ça y est, c'est rangé. Il n'y a plus qu'à descendre là maintenant. Pas trop vite, hein. Ça y est, c'est bon. Et maintenant, faut que je rejoigne la route là-bas. Fallait vraiment le trouver, hein, cet endroit, hein. Je vais aller le chercher loin. Hein. Et puis là, je fais attention parce que je suis à côté d'une clôture électrique. Et là, je ne l'ai pas testée. Et je n'ai pas envie de la tester. Était très bonne, mais c'est surtout de l'eau que je cherche. Il me reste un litre d'eau pour finir la journée, ça va être difficile. Chapelle dont le clocher en colombage permet de voir la cloche datant de 1574, classée monument historique. Elles sont à peine mûres ces pommes. Si ça se trouve, j'ai avoir des problèmes d'intestin tout à l'heure. Et au lieu de pondre un œuf, j'allais pondre l'omelette. Bon appétit. Monsieur, vous savez pas où est-ce que je pourrais trouver un endroit pour remplir ma gourde? Oui? J'en ai deux. Merci. Ah oui, c'est vrai, j'imagine. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de mal. Allez, au revoir. Bon, bah ça y est, j'ai fait le plein de carburant. Parce que l'eau, c'est du carburant hein, quand on marche. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Deux ou trois heures. Alors, au menu de ce midi, quelques abricots secs, d'autres fruits secs, un petit mélange avec des amandes, des raisins secs, des noix, des baies de goji aussi, et un petit peu de saucisson. Et j'ai oublié aussi la barre de céréales. Bon appétit.
faut pas en prendre de trop parce que après c'est lourd. Mais qu'est-ce que c'est bon? J'avais perdu mon eau. Si je commence à perdre les eaux maintenant, c'est embêtant. Et j'ai même droit à un petit café, offert gracieusement par monsieur le maire. Vous êtes parti de Vézelay aussi? Oui, oui, tout à fait. C'est oui. C'est le... Mais alors, de Vézelay jusqu'à ici, les gens sont vraiment très gentils. Ah oui. Ah oui. Ben, c'est pareil. Ils aiment bien les pèlerins, en fait. Ah oui, oui. Ah. Ben, on les voit tout le temps, pas tout seul. Moi, je vous admire d'être tout seul. Moi, je sais pas. Ça vous plaît? Il n'y a personne qui me force. Ouais. Hein. Vous avez un machin, là? Oui, oui, je l'ai. Mais je sais pas quand est-ce qu'on l'a fait tamponner. Je crois qu'à Varzy, il doit y avoir. Au revoir, madame. Je vous remercie beaucoup. Oui, je m'en vais. Oui. Merci beaucoup. Mais vous aussi. Au revoir. Bon, ben, une petite pause de 2 heures, c'était pas mal. Ça fait du bien, un petit café. J'ai pu faire ma petite lessive, ma petite toilette. Et maintenant, je vais pouvoir aller chercher un endroit pour dormir. Sous l'arbre là-bas, ça doit être pas mal pour dormir. Vous l'avez deviné, je suis encore en train de chercher un endroit pour dormir. Ah bah voilà. Avec piscine. Bah je pensais pas si bien dire, parce qu'en fait il y a la piscine. Il y a tout ce qu'il faut ici pour bien dormir. Il y a une table. Bon ça je sais pas si c'est un barbecue. Mais au pire, il y a ici. Je vais voir, je vais réfléchir. Ou alors je m'installe tout simplement ici, avec mon matelas. Ouais non, on va peut-être éviter quand même. Bon finalement j'ai bien réfléchi. Je me mets là. Bon ça y est, je viens de terminer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et maintenant bah, je vais aller faire un gros dodo. À demain.